Allez, voilà, arrivé sur la Titan Désert. Grosse ambiance. L'accueil est incroyable. Yeah. Numéro 101. Ça sera mon numéro de dossard. Et là, bah, j'arrive dans le campement. Oh là là. Il fait très très chaud, effectivement. Petit matelas confort. Est-ce qu'on va manger? Ouais. Voir ce qu'ils mangent ici. Très gourmand. Des salades, du riz, pommes de terre, de la viande. Good chef. C'est la relax area. C'est incroyable. Heureusement qu'il y a un petit vent et qu'il y a une petite brume parce que je sais pas combien il fait là, mais 30 je pense. Alors, on a peut-être trouvé nos vélos là. Ok, you can fix it. Thank you. Là, il est là le petit vélo. Le bike est prêt, il manque juste les pédales et le GPS. Expliquer la Titan Désert, c'est 6 jours d'étape, plus de 600 km à faire dans le désert, dans les montagnes, la grosse température. C'est une compétition. Moi, mon but, c'est vraiment d'être en immersion dans une discipline que je connais pas du tout, c'est le cross-country marathon. Et j'ai oublié de dire, ils annoncent aussi des tempêtes de sable comme je viens de me prendre là. Mur des champions, tiens, il faut signer. Moi, je suis le 101 et il y a quand même 520 participants. Bah, il y a des champions à mon avis, je les connais pas encore, mais je pense qu'il y a des champions là-dedans. Donc là, j'aurai cette balise tout le temps accrochée sur moi, sur mon sac à dos, pour appeler les secours ou si j'ai un problème mécanique, je peux appeler. Voilà, le but, c'est de pas s'en servir, mais elle sera tout le temps accrochée à mon sac à dos. Et Garmin m'a envoyé leur tout dernier GPS, le Edge 840 Solar. Solar, ça veut dire qu'il va se recharger avec le soleil. Et autant vous dire qu'au Maroc, il y a beaucoup de soleil, donc normalement, j'aurai aucun problème d'autonomie cette semaine. Je le pose là, je fais un quart de tour, bim, c'est fixé. Nouveau écran tactile, écran couleur. Il va être surtout utile pour l'étape 3 et 4, qui est une étape 100% en autonomie. Il y en a même qui se lancent dans l'épreuve avec un fat bike. Good with the fat bike, yeah. Autant de bornes avec un vélo comme ça. Courageux, hein. Après une petite douche, direction briefing. Briefing pour nous informer de tout ce qui va se passer cette semaine sur la Titan Désert. Sobre cómo os encontraréis el recorrido. El recorrido, todos tenéis los tracks. Go, première étape, on a le droit à 3 litres d'eau. Donc du coup, j'en ai mis dans le camelback. Et dans les gourdes ici, j'ai mis une petite boisson isotonique, histoire d'avoir un peu d'énergie pendant toute l'étape. Petit autocollant là qui me rappelle un peu le dénivelé et tous les points importants de l'étape. Donc on part sur 89 km, 2131 de dénivelé positif. Ça va attaquer sévère dans la première côte là. C'est parti. J'ai mis un petit peu en arrière pour la première étape pour pas me faire embarquer par les fous furieux. On va voir, on va doser. On y va tranquille aujourd'hui. 1, 2, 3 Italie 2, 3, 4 parti. Faut choisir son groupe, impeccable. Part en solo parce que à la fin de cette ligne droite, ça part dans de la descente. Pas envie d'être bouchonné en descente. Je pense que c'est clairement mon point fort ici. Ah, ça bombarde là. On va pas oublier qu'on est sur un cross country. C'est parti en drift. Encore une petite descente. On est sur de la route là, 6 bornes on a fait, un dixième. Parfait là, je suis dans les roues. On y est presque, ça pique hein, parce qu'on a 2200 mètres d'altitude. Allez, premier ravito et premier checkpoint, c'est là. On va mettre un peu d'eau, faire une petite pause. Quand c'est, hop. On est kilomètre 26, et du coup il reste encore 67 bornes. Allez go, là il y a un peu de descente, et après ça remonte direct. Youhou, c'est énorme, j'en chie mais c'est énorme. On va pas tomber dans la descente, c'est un peu... Ouh, ça glisse. C'est un cross country, on va pas oublier. Hop, hop, j'avais oublié de débloquer la suspension, putain. Ça va mieux là. Checkpoint. On arrive au checkpoint. Oh là, oh là. Yep. Tiens, gauche. Sorry. Là, on fait de la borne. Allez, ben on se retape la montée. Là, c'est moins marrant là. Regardez, ils sont là-haut. Ça, c'est moins rigolo ça. Ah, le bonheur était court. Ouh, je commence déjà à avoir des petites crampes au quadri là. Putain, c'est de la glisse avec un cross les gars. Oh, dans le sable comme ça, ça fait flipper. Merci les crampons à l'avant, hein, j'ai bien fait. Wouah, le décor de dingue les gars. J'essaye d'en profiter hein, en même temps. En même temps de faire des drifts. Ouh, je me fais peur. Wouah, c'est quoi ce truc? Ah non, faut pas passer dans l'eau là. Oh là là. Oh là, oh là. Vas-y, vas-y. Hop. Wouah. Oh la galère! Rega, rega!
Allez, allez. Oh putain, le boulet, je suis tombé dans l'eau. Allez, bah ça repart trempé. Hein. Coucou les chèvres. Eh, hey, coucou. Ça va? Je commence à avoir première crampe après tomber dans l'eau là, ça m'a un peu séché. Je fais une petite pause, prendre une petite barre de céréales. La crampe elle est pas loin, on va doser l'effort. Le but c'est de terminer l'étape. Faire des pauses, on fera des pauses. Voilà, j'ai retrouvé un groupe du coup. On va se tirer un petit peu vers le haut là, ça va être bien. Bon, heureusement qu'il y a les descentes pour rattraper, hein. Ça me permet de remonter quelques places. Après, dans chaque montée, je me fais rattraper. On joue au chat et à la souris là, avec les guettes derrière. Voilà. Voilà. Allez, là, ça part sur de la route. On va se mettre dans les roues. Voilà, il va me faire le job là. Hey, check. Wouhou. Hop. Yeah. Vamos. C'est reparti. Je vais suivre mon pote Alejandro là. Ouf. Slide. Là, on arrive dans la gorge, puis la rivière. T'es un peu plus sablonneux que tout à l'heure. De l'eau, du sable. Nickel pour la transmission. C'est un peu technique en plus. Moi, j'aime bien. Je peux pas vraiment rouler super vite, il y a tellement de pierres là. Oup là. Oh ouais. C'est de l'aquabike. Watch. Le top nickel, je suis trempé. Ouah, c'est profond là. Faut un canoë, hein, fallait me le dire là. On descend clairement la rivière là. Il n'y a plus de sentier. Faut juste trouver des passages entre l'eau. Genre là. Ouah. Ouah, on est dans le sable mou là. C'est galère. Petite montée dans un village là. Dernier ravitaillement. Il reste 20 km. Ça commence vraiment à piquer sur les jambes. C'est un faux plat montant interminable. Après ça, ça va descendre. Grande montée et après ce sera la fin. Faut que je tienne au moins jusqu'à en gros tout là-haut. Et après ça va descendre. Oh. Terminé les gars, ça y est, première étape terminée. Je suis éclaté. J'ai une crampe qui est arrivée. C'est dans la dernière montée. Maintenant je vais aller laver le vélo et manger. Il y a encore 5 jours à faire comme ça. Je sais pas si je vais tenir les gars. Oh, j'ai la tête qui tourne à moitié. Je vais me poser un peu là. Je vais le laisser sécher avec ses 35 degrés du Maroc. Et j'irai mettre un peu de WD-40 sur la chaîne pour lubrifier tout ça. Les chaussures, le casque et les gants. Parce que là ils sont pleins de terre. Je crois que j'ai perdu du sel hein. Et du coup, si je regarde un petit peu les stats de mon Garmin, j'ai fait donc 4h51, 89 bornes, ce qui est plutôt pas mal. J'étais parti sur un 5h, pas mal, pas mal.